Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau mini-vlog, ça fait extrêmement plaisir. Dans cette vidéo, je vais juste vous emmener simplement dans mon quotidien, mais je pense qu'il va quand même se passer pas mal de choses. J'ai prévu un peu de vélo, un peu de parachutisme et surtout, et on va commencer par ça, l'aménagement du van. Donc là, c'est un peu la dernière ligne droite de l'aménagement. J'ai pour objectif de le terminer d'ici 3-4 semaines. Voilà la bête. Donc voilà, c'est parti déjà, on commence dans le vif. Bon, je vais vous expliquer un peu ce que je fais sous mon lit. L'objectif, c'est de faire fabriquer des rangements. Donc c'est pour ça, là, j'ai essayé de construire une armature pour pouvoir y mettre des tiroirs sur glissière. Et donc c'est quand même assez technique à réaliser. Et du coup, je me concentre vraiment pour avoir pile poil les bonnes dimensions de chaque côté du tiroir pour pas que ça bug ou je sais pas quoi. Et là, je viens de m'apercevoir qu'il manque un peu de bois, donc je vais devoir racheter des tasseaux. En tout cas, en attendant, je suis très content du résultat de ce que ça donne. J'ai trop hâte de mettre les rangements parce que ça va vraiment marquer une finition dans le van. Je suis trop content. Je vous montrerai sûrement ça dans un prochain épisode, si ça vous intéresse de voir ça en tout cas. Faites-le moi savoir en tout cas dans les commentaires ou en message, ça ferait toujours plaisir. J'ai terminé pour la journée là. On va voir demain ce qu'on peut faire, mais je pense qu'un peu de parachute, ça peut se négocier. Je suis déjà tout excité d'avance, donc ça va être incroyable. Allez, je vous dis à demain. Bon les gars, faut que je vous parle d'un truc là qui est en train de se passer en direct. Moi, je sais pas si vous entendez déjà, mais il y a l'orage qui tonne. C'est un truc de fou. Attendez, si je me mets comme ça, je suis... Waouh, mais c'est un délire. Wow. C'est fou quand même, en vrai. Là, dans ces moments-là, on se rend vraiment compte que la nature, elle est surpuissante, quoi. On peut rien contre ça, quoi. Et c'est un truc de dingue. Salut tout le monde, bon ce matin, après les gros orages d'hier, il fait grand beau de fou furieux, c'est trop bien. Donc là, le plan, c'est d'aller parachuter. Voilà, quand il fait grand beau comme ça, surtout en semaine, bah moi je m'autorise à aller sauter en parachute parce que bah il y a beaucoup moins de monde en semaine et vu que j'ai l'opportunité en plus de pouvoir y aller un peu quand je veux, et bah du coup j'en profite à fond. Et là, ça a l'air d'être le bon moment. Bon, il est à peu près 7h40 et je dois partir dans à peu près 15 minutes. Donc on va se préparer et c'est parti. Bon, pour vous expliquer un petit peu, j'ai passé la PAC, donc c'est ce qui permet de sauter tout seul en parachute. Ça se fait sur une semaine et je l'ai passé il y a un peu un mois. Et donc depuis, j'y suis allé tout seul une seule fois. Donc vraiment là, je suis encore dans les très 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 débuts. Donc au total, j'ai 11 sauts. Donc là, l'objectif, c'est d'aller chercher le brevet A que je peux obtenir à partir de 15 sauts. Premier saut de la journée, c'est parti. There was a time when I had no respect, I felt hate. When I burned all my bridges till I couldn't escape. To this day, some motherfuckers want my head on the stake. Cause alcohol had me making lots of pivotal mistakes. Back in the days, I was insane, but now I'm flying straight. Or at least trying, cause I'd be lying if I said I'm a saint. Brain like a switchblade, put to inflict pain. Cause I was self-conscious about my clothes and my zit face. Before I eat, I say grace, cause I feel stomach pains. If I got caught stealing food, I didn't need a thing. Yeah, I wanna tell my... Hello. Bon bah voilà, comme vous pouvez le voir, je suis parti pour un petit tour de vélo juste au-dessus de la maison. J'ai essayé un petit setup. Je vois si on peut voir derrière avec la GoPro 360. Essayer de choper des plans un peu sympas. Pour ceux qui connaissent, je la plie où. Et on va essayer de la faire deux fois d'affilée. Il me reste un quart d'heure de montée et ensuite je pourrai descendre. C'est parti. Allez you, c'est parti. I got your girl calling, told
C'est vraiment du mal avec les virages relevés. Trop sympa ce nouveau single. Oh la vache, fallait pas que je dise mal. Terminé la première descente, maintenant on remonte pour une seconde pour essayer de peaufiner cette piste là parce que elle est vraiment sympa mais je suis trop nul dessus. Et puis je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai mis mon plus beau maillot du Rock VTT pour ceux qui connaissent. Incroyable club de Revel. En tout cas si vous aimez ce genre de petites vidéos, franchement n'hésitez pas à me le partager, à le dire. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous regardez ça jusqu'au bout, ça vous fait kiffer et tout. Moi je le fais aussi pour ça, pour régaler les pupilles d'un montage vidéo qualitatif j'espère. Allez, c'est parti. Blow my smoke in the sky, still ignoring advice on the roof getting high. So cold. Live it up till I'm dead, ignorance in my head, fuck whoever you are. Blow my smoke in the sky, still ignoring advice on the roof getting high. So cold. Live it up till I'm dead. Allez, maintenant on va choper un autre dernier single qui redescend directement à la maison. Allez, let's go. Wow. What you trying to get into? Bon, et ben voilà, on se quitte là-dessus. C'était trop un plaisir de faire ce petit vlog. Faire du vélo, du parachute, vous montrer un peu comment j'avance le van. J'espère que ça vous a aussi plu, que vous aimez ce petit format-là. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et puis on se voit dans le prochain vlog. Hein. Cause we making timeless music, man, it's the fresh air movement. And if you don't fuck with us,